manipulated by only three people on the ground. And who knows, in two or three Paris air shows in the future, technology will take over and we'll once again see large passenger carrying airships of the Hindenburg and Graf von Zeppelin type, perhaps 3 meters long, 300 meters long as well. L'équipage du LZN vient de lâcher les amarres, remonte dans le ciel et va s'éloigner vers Pontoise. Et le ciel à partir de maintenant va, on va remettre Archimède dans sa baignoire, on va le laisser jouer avec ses bulles de savon. Et on va se tourner vers un autre physicien italien, celui-là qui il y a quelques siècles s'était posé des questions sur... ce qui se passe lorsqu'on souffle de l'air à grande vitesse sur une surface plate. Il avait découvert que ce serait une dépression à la base de cette surface plate, que cette dépression qu'elle devait produire à l'époque. Et en 1937, There were three times longer than the LZ07, 300 meters long, the LZ07, just over 80 meters long. Is it going to land now? The major difference between both the Hindenburg and the Graf von Zeppelin was that they were filled with hydrogen, which we all know is a very flammable gas. There was an embargo at that time on providing helium, a non-flammable light gas of hydrogen. So when the Hindenburg caught fire, it burned extremely rapidly. The LZ07 is filled with helium, a non-flammable gas, ensuring the safety of operation. Five of these machines of the LZ07 type are currently on order for four clients. Et donc actuellement en Allemagne, il y a une préparation, un dirigeable carbone géant, le carbolifter 160, qui devrait, elle, faire dans les 300 mètres de long. Et si ce programme continue tel qu'il a commencé, c'est-à-dire dans une certaine discrétion, mais sérieusement, peut-être que dans deux ou trois salons du Bourget, nous aurons devant les yeux le retour des grands dirigeables 300 mètres de long. Cette idée-là, en tout cas, est trop belle pour disparaître. Le LZ7 est au sol, aidé par une toute petite équipe. Pour les grands dirigeables, il fallait de vrais bataillons au sol avec les systèmes de pilotage extrêmement précis qui sont montés sur le LZ7. Il suffit de trois personnes au sol pour faire la logistique.